Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier du direct concernant le cours d'électromagnétisme que vous suivez. On va fonctionner de la façon suivante. À côté de moi se trouve Thomas Boulogne, qui est notre ingénieur pédagogique, chef de projet. C'est lui qui va poser les questions que vous avez adressées par l'intermédiaire de la plateforme et via le forum. Et puis en face de moi se trouve notre caméraman, opérateur, Gilles Bessoux, que vous ne voyez pas non plus. Vous n'avez pas la possibilité en fait de poser des questions en direct avec un micro. Cette possibilité n'est pas encore implémentée. Mais par contre, pendant l'heure que va durer cette interaction avec vous, vous avez la possibilité d'adresser des messages par l'intermédiaire de la plateforme, ou bien de poser des questions par l'intermédiaire De YouTube. de YouTube. Bon, j'ai envie de... Bon, donc, bonjour à tous, Thomas Boulogne. Donc, j'ai posé les questions à Jean-Marie. Donc, on peut commencer avec la première question, qui est une question de Pigray. Effet Zeeman normal, anormal, est-ce bien normal? Si j'ai bien compris, ce qui n'est pas sûr, l'effet Zeeman anormal correspond à l'effet Zeeman obtenu en appliquant les calculs de la mécanique quantique avec le facteur de Landé. Zeeman a décrit cet effet à la fin du 19e siècle, avant l'avènement de l'ère quantique. Je suppose qu'il s'agissait alors de l'effet Zeeman dit normal. Historiquement, pourquoi le terme anormal a-t-il été utilisé et par qui? Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait ça la dénomination, la différence qui existe entre effet Zeeman normal et effet Zeeman anormal. Quand on fait un petit peu de mécanique quantique, on sait qu'on décrit les niveaux atomiques des électrons par une notation qui est de la forme 2s plus 1 L J, où on a un certain nombre de nombres qui vont caractériser le niveau d'énergie de l'électron, en particulier son moment cinétique orbital, son moment cinétique total qui est représenté par J, et son moment cinétique de spin, c'est-à-dire sa rotation autour de lui-même, un petit peu comme la Terre tourne sur elle-même, qui est caractérisé par un nombre S. Eh bien, l'effet Zeeman normal, en fait, correspond à un effet Zeeman qu'on observe rarement, finalement, parce que la majorité des cas d'effet Zeeman sont des effets Zeeman anormaux. Le nombre S de spin dans le niveau bas et dans le niveau haut est égal à 0. De ce fait, on va obtenir, par exemple, des niveaux qui vont se scinder de cette façon-là, mais qui vont être équidistants, c'est-à-dire que la distance delta E entre chaque niveau, là je lis niveau haut, là je lis niveau bas, eh bien, la distance entre chaque sous-niveau en présence de champ magnétique est la même partout. Ce qui fait que, compte tenu du fait qu'on a une règle de sélection qui existe et que l'on ne peut avoir que trois types de transitions, en particulier delta M, J égale 0 plus ou moins 1, on va voir apparaître trois composantes, et uniquement trois. C'est ça qu'on appelle l'effet Zeeman normal. Donc trois transitions possibles correspondant à trois valeurs de l'énergie possible. Il y a d'ailleurs une variation d'énergie qui est nulle, une variation d'énergie qui est positive et son opposé qui vont correspondre à ce qu'on appelle les composantes sigma moins, sigma plus de l'effet Zeeman. Alors lorsque l'effet Zeeman est anormal, et c'est la majorité des cas, ça veut dire que le spin de l'électron au niveau haut et au niveau bas n'est pas égal à 0. Alors dans ce cas, en spin non nul, eh bien, les transitions vont être caractérisées. Là, je prends par exemple un niveau haut. Ici, je prends un niveau bas. Les transitions vont être caractérisées par des sous-niveaux qui sont équidistants entre eux à l'intérieur d'un même niveau, mais qui ne sont pas équidistants entre eux lorsque on compare le niveau bas et le niveau haut. Ici, j'ai delta E qui est différent
de delta E'. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman anormal. Et ça se produit lorsque, notamment, le facteur de Landé, G étoile, du niveau O, que j'appellerai G' étoile, est différent de G étoile, du facteur de Landé G étoile, qui est le facteur du niveau bas. Dans ce cas, eh bien, on va avoir plus que trois transitions possibles. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman anormal. Et donc, on observera sur le ciel plus que trois transitions, mais en réalité, ce que l'on voit sur le ciel, ce sont des centres de gravité. On observera le centre de gravité de la composante pi qui se fait sans variation d'énergie, globalement. Et on verra le centre de gravité de la composante sigma moins, le centre de gravité des composantes sigma plus. C'est-à-dire qu'on raisonnera, on passera de l'effet Zeeman anormal à l'effet Zeeman normal en utilisant une description qui va passer par les centres de gravité des composantes, qui, elles, sont multiples. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman anormal, et la majorité des raies spectrales en présence de champs magnétiques se subdivisent en bien plus que trois sous-niveaux, ou trois transitions. Merci. Alors, une autre question sur l'effet Zeeman. Je prends les questions dans l'ordre chronologique. Donc, il n'y a pas forcément de lien entre les questions. Donc, une question par Uncle Dance. Effet Zeeman, des directions d'émission privilégiées. Alors que le champ magnétique est orienté spatialement, est-ce que l'émission de photons émis ou absorbés est isotrope dans l'espace? Les photons issus de l'électron polarisé linéairement, qui sont-ils émis principalement sur l'axe de B et perpendiculairement pour les photons de pulsation oméga plus ou moins oméga G sur E2? Ou est-ce que la direction de l'émission de photons est complètement indépendante de l'électron et donc de la direction de B? Donc B, c'est le champ magnétique. Alors, l'effet Zeeman, dans sa description la plus précise, c'est un effet qui est un petit peu compliqué. Et on ne l'a pas du tout abordé dans l'exercice qui était proposé, parce qu'on souhaitait s'en tenir à un niveau style mécanique classique. Ce qu'on peut dire, c'est que... Il n'y a pas du tout d'isotropie en termes d'émission, en ce sens d'une part que la lumière que nous recevons des astres, c'est de la lumière qui est transmise par une onde électromagnétique et donc par une vibration que l'on appelle le champ électrique. Alors, dans l'effet Zeeman, il faut distinguer l'émission qui se fait parallèlement à la direction du champ magnétique et qu'on appelle polarisation linéaire, et l'émission qui se fait perpendiculairement à la direction du champ magnétique et qu'on appelle polarisation circulaire droite et gauche. Ce que j'entends par polarisation, il s'agit en fait de la polarisation du champ électrique de l'onde qui est émise par l'électron qui subit cet effet Zeeman. Alors si vous regardez par exemple un point situé à la surface du Soleil ou à la surface d'une étoile, dans lequel le champ magnétique est dirigé vers vous, et uniquement vers vous, eh bien, vous verrez seulement deux composantes. Deux composantes qui vont correspondre à une polarisation circulaire gauche et à une polarisation circulaire droite du champ électrique de l'onde qui vient vers vous. Et ces deux composantes sont écartées l'une de ωg sur 2, et l'autre de oméga g sur 2, plus oméga g sur 2, par rapport à la position de l'arrêt en l'absence de champ magnétique. Par contre, si vous regardez un point à la surface du Soleil, où cette fois-ci, le champ magnétique est purement transversal, c'est-à-dire perpendiculaire à la ligne de visée, eh bien, la direction de polarisation de la lumière est parallèle à celle du champ magnétique. Et donc, vous n'allez voir que, en fait, la composante pi, qui est une composante à polarisation linéaire dans la direction du champ magnétique. Donc il n'y a pas d'isotropie, il faut regarder au cas par cas en fonction de la direction du champ magnétique. Alors, il y a une question qui est peut-être en dehors du cours, qu'on vient de nous poser sur YouTube, c'est Boris Boda. Bonjour,
Pourquoi dit-on que la lumière est créée à partir du mouvement des électrons sans parler des transitions énergétiques expliquant les raies d'émission, par exemple? Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. La lumière n'est pas créée par le mouvement des électrons. En fait, la lumière que nous recevons des astres, notamment, elle est créée par ce qu'on appelle des sauts d'énergie, donc des transitions quantiques entre deux niveaux d'énergie. Si on prend par exemple l'électron d'un atome d'hydrogène, eh bien, l'électron peut effectuer un saut vers un niveau n égale 1, vers un niveau n égale 2, ou vice-versa, on appelle ça à ce moment-là raie d'absorption ou raie d'émission. Donc ce qu'on analyse, c'est ça. On n'analyse pas le mouvement de l'électron, en fait, mais on analyse la lumière qui est transmise par l'électron et par la transition quantique de l'électron qui, elle, soit absorbe un photon, si on a une raie d'absorption, soit qui émet un photon, si on a une raie d'émission. Et cette lumière donc, est transmise par le champ électrique d'une onde électromagnétique. Ce champ électrique d'une onde électromagnétique peut avoir une certaine polarisation dans l'espace, qui peut être une polarisation linéaire, une polarisation circulaire. Et c'est l'analyse de cette polarisation de l'onde qui vient vers nous qui va nous permettre de savoir si la polarisation résulte d'un champ magnétique longitudinal, d'un champ magnétique transversal, c'est-à-dire dans le plan du ciel, ou d'une combinaison entre les deux. Donc là encore, on a fait pendant le cours volontairement beaucoup de raccourcis pour décrire un phénomène qui est fort compliqué et qu'on ne pouvait pas faire, bien sûr, dans un MOOC qui traite d'électromagnétisme en général. Donc une question plus ancienne maintenant sur les spectres solaires de G. Chevrier. Donc si vous allez sur le forum, dans la discussion, c'est spectre solaire, ça s'appelle, et G. Chevrier présente deux planches de spectres solaires. Donc je laisse Jean-Marie en parler. Alors, sur les planches de spectre du Soleil, vous avez sur ce site-là, en fait, des planches qui contiennent une dizaine de bandes chacune. Ce sont des bandes qui représentent un intervalle spectral, donc une fenêtre, en fait, en longueur d'onde, hein, qui fait une centaine d'angströms. C'est-à-dire chaque bande, voilà. Chaque bande a une largeur de 100 angströms ou 10 nanomètres. Et nous avons, je crois, une planche pour l'intervalle spectral qui va de 300 à 400, puis de 400 à 500, etc., jusqu'à quelque chose comme 1000 nanomètres dans le proche infrarouge. Nous avons aussi sur le site des bandes beaucoup plus détaillées, c'est-à-dire dont la fenêtre de représentation est beaucoup plus petite, c'est-à-dire 100 angströms, oui, je crois, effectivement, 100 angströms ou 10 angströms, mais voilà, la résolution spectrale est très différente. C'est ce qu'on appelle le spectre en bande de 100 angströms que vous devez trouver sur le site. Eh bien, je pense qu'il est plus intéressant de regarder le spectre par bande de 100 angströms que vous avez donc sur le web, parce que chaque raie va être identifiée par un nombre en bas, qui est sa longueur d'onde, lambda, qui est mesuré en angström. Et puis, si mes souvenirs sont bons, chaque raie est aussi identifiée par sa nature chimique. Vous aurez, je crois, en haut de la raie, par exemple, fer Fe1, s'il s'agit d'un atome de fer neutre, vous pourriez avoir He2. Je donne au hasard He2, comme ceci, s'il s'agissait d'un atome d'hélium ionisé, etc. Quoiqu'on ne rencontrera pas l'hélium ionisé à cette température, donc ce n'est pas forcément un très bon exemple, mais vous pourriez avoir du fer 2, donc c'est du fer ionisé, à une autre longueur d'onde. Et puis vous avez une troisième information. Donc, outre la longueur d'onde, la nature de l'élément chimique, vous avez, je crois, en bas de la raie, une valeur numérique qui est en fait le facteur de Landé équivalent qui sert à l'effet Zeeman. Et vous vous souvenez sans doute que l'écart
delta lambda b entre les composantes Zeeman d'une raie est proportionnel à un certain facteur qui vaut 4,67 10 puissance moins 13, que multiplie G étoile, lambda carré, B, B étant la valeur du champ magnétique. Eh bien, ce G étoile qui apparaît dans cette formule, c'est cette valeur numérique que vous allez trouver pour chaque raie, ou presque pour chaque raie, parce que les facteurs de Landé ne sont pas identifiés pour l'ensemble des raies spectrales que nous avons dans le spectre solaire. Il ne faut pas oublier que nous avons plus de 10 000 raies connues à l'intérieur du spectre du Soleil. Donc, il y a à nouveau sur YouTube, pour compléter la première question, une nouvelle question de Boris Baudard, qui nous dit « Donc, sans transition énergétique, il n'y a pas de lumière. » Effectivement. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact, puisque vous avez quand même le rayonnement continu du Soleil, par exemple, eh bien, c'est celui qui donne naissance à, grosso modo, à la lumière blanche. C'est ce qu'on appelle le spectre du corps noir. Alors, le Soleil n'a pas un spectre qui est stricto sensu le spectre d'un corps noir, sinon il n'émettrait pas de lumière, mais en fonction de la longueur d'onde, le spectre du Soleil représente, ressemble à la fonction de Planck qu'on appelle B de lambda et dont le maximum est situé à peu près à 550 nanomètres, c'est-à-dire dans le vert, avec grosso modo la moitié du rayonnement, 50% du rayonnement dans l'infrarouge, et puis l'autre partie du rayonnement se situant dans le proche ultraviolet et dans le domaine visible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement continu. Il ne correspond pas à des transitions atomiques. Mais ce qui va surtout intéresser les astrophysiciens, notamment pour analyser, par exemple, la composition chimique que vous avez à la surface d'une étoile, ou pour justement interpréter, déterminer les champs magnétiques dans l'espace, ou déterminer les champs de vitesse dans l'espace, eh bien, ça va être ce qu'on appelle les raies. Les raies d'absorption ou les raies d'émission, bon, ça dépend du contexte que l'on aura. Si vous regardez sur la surface du Soleil, vous aurez des raies d'absorption dans le domaine visible, ou si vous regardez les protubérances au limbe, vous aurez ce qu'on appelle des raies d'émission. Si vous regardez à des domaines de longueur d'onde ultraviolette, comme dans la couronne du Soleil, eh bien vous aurez pour l'essentiel des raies d'émission, parce qu'à ce moment-là, la fonction de corps noir devient noire, puisqu'elle n'émet plus dans l'ultraviolet, qui est le domaine d'émission de la couronne. Enfin, donc, pour l'essentiel, nous, les informations que nous recueillons sont des informations qui proviennent des raies spectrales. Or, les raies spectrales, ce sont des transitions. Ah, mon écran a disparu. Donc, on va le... Voilà, il est revenu. Les raies spectrales correspondent, en fait, à une transition énergétique, delta E, entre un niveau d'atome qui sera caractérisé par 2s plus 1 lj et 2s prime plus 1 l prime j prime, donc transition quantique d'un électron qui se fait soit en émission, soit en absorption. Si la transition correspond à une absorption, ça veut dire que vous avez un photon qui a communiqué de l'énergie à un électron. Et inversement, si la transition se fait en émission, ça veut dire que l'électron est descendu vers le bas, comme ceci, vers un niveau d'énergie inférieur. Il a donc cédé son énergie à un photon, et c'est ce photon qui va donner naissance à une onde électromagnétique, et c'est cette onde électromagnétique que vous allez analyser. Donc bien sûr, on ne voit pas, nous, les électrons. Ce que l'on voit, ce sont les photons qui sont associés à la transition entre deux niveaux d'énergie de l'électron autour du noyau. Donc, une question sur le forum de A. Vielle. Élargissement d'une raie décrite par un profil lorentzien et signification du coefficient d'amortissement. Si j'essaie d'interpréter le coefficient d'amortissement gamma de l'oscillateur de Lorentz comme l'inverse du temps caractéristique que passe un atome dans un état excité, une augmentation de densité du milieu conduit à augmenter la fréquence des collisions entre atomes qui amène ceci à se désexciter plus souvent, donc à passer moins de temps dans cet état. La raie d'absorption devrait s'en trouver élargie.
S'agit-il du processus explique comment l'élargissement de l'arrêt H alpha suivant la profondeur de l'atmosphère solaire? Alors, quand nous avons étudié ce problème, on a effectivement fait intervenir dans le mouvement de l'électron. On a tout d'abord utilisé le principe fondamental de la dynamique sous une forme M d2x sur dt2 plus F dx sur dt plus Kx égale E cosinus oméga t. E cosinus oméga t représentait moins E cosinus oméga t. E cosinus oméga t représentant une onde électromagnétique donc qui va perturber le mouvement de l'électron. Eh bien, cette fameuse force de frottement, elle est ici. C'est une force en moins F dx sur dt sur un axe OX, bien sûr monodimensionnel, puisque on simplifie le problème au maximum. Cette force de frottement moins F dx sur dt, c'est une force qui, en fait, n'existe pas dans la réalité. On l'utilise uniquement dans l'oscillateur harmonique. On l'utilise dans l'oscillateur harmonique parce que, en fait, elle va recouvrir un certain nombre d'effets. Et notamment, il va y avoir les effets de frottement et de perte d'énergie par frottement. Alors, un électron, ça ne frotte pas, en fait. Hein. Ça a des processus un petit peu plus compliqués que ça. Un électron, ça rayonne de l'énergie dans l'espace. Donc, sous ce facteur phénoménologique, on modélise de façon très succincte plusieurs processus. Donc, le fait que l'électron, ben, il rayonne de l'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est une particule en mouvement et que toute particule en mouvement perd de l'énergie par rayonnement, c'est ce qu'on appelle le rayonnement dipolaire électrique. Également, l'électron, il va subir ce qu'on appelle des collisions. Nous n'avons absolument pas tenu compte des collisions. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas le facteur F que nous avons utilisé, mais c'est un facteur qui s'appelle gamma, il me semble bien. Nous n'avons pas du tout tenu compte des collisions. Donc, lorsqu'on a effectué la résolution de cette équation, en utilisant la notation complexe, on a trouvé que le déplacement de l'électron se mettait sous la forme grand X e puissance I oméga t, grand X étant ce qu'on appelle l'amplitude complexe de son déplacement, et on a trouvé que grand X était représenté par une fonction que l'on a baptisée de Lorentzienne et qui peut se représenter sous la forme gamma sur 2 que divise oméga 0 moins oméga au carré plus gamma sur 2. Cette fonction est une fonction qui ressemble à ceci, avec un pic à la pulsation oméga 0 dite de résonance, c'est la pulsation de l'oscillateur harmonique, puisque on peut écrire oméga 0 au carré, c'est pas autre chose que le rapport K sur M, c'est le rapport entre la constante de Rader K, qui en fait schématise de façon très très grossière la liaison entre l'électron et son noyau, et puis M étant la masse de l'électron. Donc, le facteur gamma qu'on a introduit représente la largeur à mi-hauteur de l'arrêt. Et bien, dans ce facteur gamma, il y a en fait beaucoup de choses. Il y a tout d'abord le fait que, déjà, on s'intéresse à des raies spectrales. Donc, comme on s'intéresse à des raies spectrales, eh bien, il y a ce qu'on appelle un niveau de départ et un niveau d'arrivée. Donc il y a une transition. Par exemple, l'électron passe d'un niveau n égale 1 vers un niveau n égale 2. Et bien chaque niveau possède ce qu'on appelle son propre facteur, gamma 1, gamma 2. Et le gamma qu'on a introduit, c'est en fait gamma 1 plus gamma 2 sur 2, c'est-à-dire que c'est la somme des inverses des durées de vie de chacun des niveaux. Donc gamma 1, gamma 2, ce sont les inverses des durées de vie des niveaux.
de la transition, qui est donc une transition quantique entre le niveau 1 et le niveau 2. Mais il se trouve que si on se contente juste de ça, eh bien, on trouve des résultats qui ne sont pas du tout conformes à ce qu'on observe, par exemple, dans les spectres des étoiles. Parce qu'on va trouver que la valeur de gamma est vraiment un facteur 100 différente de celle que l'on a dans la réalité. Alors, si on tient compte uniquement de la durée de vie des niveaux, qui est finie, hein, qui n'est pas infinie, eh bien, on va trouver que les raies spectrales sont en fait 100 fois plus fines que celles que l'on voit dans la réalité. Ce qui fait que eh bien, les astronomes se sont posé la question de savoir quels étaient les processus d'élargissement, puisque ce que l'on voit, ce sont effectivement des raies qui sont élargies de façon naturelle par un certain nombre de processus. Eh bien, parmi les effets d'élargissement, il y a notamment les collisions. C'est-à-dire que le facteur gamma dont on vient de parler, en fait, c'est plus que ça. C'est gamma 1 plus gamma 2, c'est-à-dire l'inverse, la somme des inverses des durées de vie, niveau inférieur et supérieur. Mais il faut lui ajouter un second facteur, qu'on va appeler gamma collision, qui va caractériser la fréquence des collisions entre l'électron et son environnement. Et puis, il y a d'autres causes d'élargissement. Alors, ça, les collisions, c'est un élargissement qu'on appelle élargissement lorentzien. Mais il y a aussi deux autres causes d'élargissement, en particulier des élargissements qui n'ont plus une forme lorentzienne, mais qui ont une forme gaussienne. En particulier, l'agitation thermique. L'agitation thermique, elle existe parce que vous êtes dans un milieu qui est porté à haute température, ce qui fait que les atomes se déplacent les uns par rapport aux autres. Si la température du milieu est grand T, eh bien, et si on est en équilibre thermodynamique, on peut par exemple décrire la vitesse des atomes les uns par rapport aux autres par une loi statistique, qui est par exemple la loi statistique de Maxwell-Boltzmann. Eh bien, cette loi statistique de Maxwell-Boltzmann nous dit que la vitesse quadratique moyenne des particules est égale à racine de, je crois, 3 RT sur M, où R est la constante des gaz parfaits et M est la masse molaire des molécules ou des atomes, pardon, plutôt des atomes qui constituent le milieu. Bien, l'élargissement thermique, il a une forme gaussienne et il est extrêmement puissant. Et il y a une seconde cause d'agitation qui est encore gaussienne, c'est ce qu'on va appeler la turbulence. Le plasma solaire est un milieu où vous avez beaucoup de turbulence. La turbulence va rajouter une seconde composante d'élargissement de type gaussien. Alors, ça devient compliqué et ça dépasse largement le cours que nous avons fait. Mais néanmoins, c'est décrit dans le document PDF additionnel que nous avons mis en ligne il y a quelques jours et qui décrit justement de façon beaucoup plus précise que le cours lui-même les processus qui sont liés à l'effet Doppler et qui sont liés à l'effet Zeeman et en particulier qui sont liés à l'élargissement des raies. Donc, quand vous avez un élargissement de type gaussien et un élargissement de type lorentzien, eh bien, ces deux types d'élargissement vont se combiner entre eux et on va obtenir en fait ce qu'on appelle en mathématiques, c'est un produit de convolution. Un produit de convolution entre une fonction lorentzienne et une fonction gaussienne. Ça donne une fonction qui n'est pas analytique. C'est une fonction qui a une forme d'intégrale qu'on appelle en fait profil de type Voigt, V-O-I-G-T. Vous pouvez éventuellement regarder dans la littérature ce que c'est que le profil de Voigt. Ben, le profil de Voigt va tenir compte de tous ces effets, de tous les effets qui sont liés à l'élargissement, ce qui fait que l'élargissement global que l'on va avoir va être en fait beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce que nous avons effectivement introduit dans le cours d'électromagnétisme. Nous sommes, nous, restés à un niveau didactique, mais nous ne sommes pas, bien sûr, allés jusqu'au fond des choses. Donc une autre question sur les... Ce n'est pas une question d'ailleurs, c'est un commentaire sur les instruments utilisés à Meudon, postés par Cadou. Je vous signale pour ceux qui
ne sont pas encore allés voir le site de M. Malherbe, un article sur les instruments solaires de Meudon avec un peu d'histoire de l'astrophysique à partir de Janssen. Peut-être un petit mot là-dessus. Alors, en ce qui concerne les instruments solaires que l'on trouve à Meudon, vous avez un site sur lequel, que vous pouvez visiter, dont je vais vous donner l'adresse. solaire.obspm.fr. Sur ce site, vous trouverez beaucoup de documents. Je crois qu'il y a une section PDF, une section peut-être bien qui s'appelle « Documents ». Vous trouverez des onglets sur la gauche de cette page. Je crois qu'il y a donc un onglet « Documents ». En cliquant sur cet onglet, vous allez découvrir notamment des documents qui décrivent l'historique du site de l'Observatoire de Meudon, les instruments solaires qui sont présents sur le site de l'Observatoire de Meudon, et également, je pense, toute une foule de renseignements qui peuvent être d'intérêt complémentaire pour ceux qui s'intéressent notamment à l'optique et aux instruments d'optique que l'on utilise dans le cadre de l'observation du Soleil. Vous y retrouverez bien sûr le spectre du Soleil et les images du Soleil qui sont produites à Meudon tous les jours de l'année quand nous ne sommes pas gênés par les nuages. Une autre question par Cadou à nouveau, pour les amoureux du principe de moindre action. Voilà, j'ai découvert un cours où on parle du principe de moindre action pour fonder l'électromagnétique de façon axiomatique. Allez-y voir, c'est bluffant du point de vue efficacité. Attention, c'est assez mathématique et vachement intéressant. Voilà, je ne sais pas si Jean-Marie a quelque chose à dire là-dessus. Ben, écoutez, je ne suis pas allé voir, je n'ai pas eu le temps, hein, à vrai dire, d'aller consulter ce site. Nous, notre démarche pendant le cours, ça a été en fait d'introduire le champ électrique et le champ magnétique en décrivant leur action sur une charge par l'intermédiaire de la force de Lorentz, F égale Q, facteur de E, plus V, vectoriel B. Il existe une autre façon de procéder qui utilise en fait la mécanique lagrangienne. Mais cette mécanique lagrangienne, elle est complètement en dehors du programme du cours d'électromagnétisme que l'on peut faire en première année et en deuxième année de licence. Hein. On montre en particulier, si mes souvenirs sont bons, hein, que le lagrangien d'une particule chargée s'écrit 1,5 de MV2, c'est-à-dire son énergie cinétique, plus Q, facteur de A scalaire V, moins grand V, c'est-à-dire qu'on voit apparaître dans le lagrangien du système une quantité qu'on appelle le potentiel vecteur, qu'on verra plus tard dans le cours d'électromagnétisme, nous, et puis une deuxième quantité qu'on appelle le potentiel scalaire. Et c'est en écrivant les équations de Lagrange, vous savez que ce qu'on appelle l'intégrale d'action, c'est l'intégrale de L dt, où L désigne le lagrangien du système. En minimisant l'intégrale d'action, on obtient ce qu'on appelle des équations de Lagrange. Et ces équations de Lagrange permettent de démontrer, justement, en postulant cette forme-là pour le Lagrangien, que la particule est soumise à une force électrique, QE, à une force magnétique, QV vectoriel B. Et ces équations de Lagrange permettent également de démontrer que le champ électrique s'écrit moins gradient de V, moins dA sur dt, mais ça, on ne l'a pas vu encore, et on ne le verra qu'un petit peu plus tard. Et puis, d'autre part, cette formulation lagrangienne permet de démontrer également qu'il existe un champ magnétique qui dérive d'un potentiel vecteur qu'on appelle rotationnel de A, mais qu'on verra, nous aussi, plus tard, je pense dans la semaine, d'ailleurs, 5, lorsque l'on va aborder les équations de Maxwell. Donc, je ne souhaite pas en dire plus, parce que là, nous sortons vraiment complètement du cadre de notre MOOC d'électromagnétisme niveau L1 et L2. Oui, une question de JM Viennet. Mais quelle est l'origine de cet ray? En faisant l'exercice sur l'arrêt du fer situé au centre du Soleil, je m'attendais à trouver une valeur voisine de celle qu'on donne généralement pour la photosphère, soit grosso modo 6000 Kelvin. Hors surprise, le résultat de l'exercice donne une température pratiquement 6 fois plus élevée.
Du coup, j'aimerais bien savoir où, à quelle altitude, dans quelle couche, chromosphère par exemple, ou basse couronne, se situe l'espèce chimique responsable de cette réabsorption. Et compte tenu de la température, peut-il s'agir de fer atomique ou ne serait-ce pas plutôt du fer très ionisé? Alors, la réponse à votre question, qui est une très très bonne question, et qui est la conséquence du fait que nous avons simplifié le problème à l'excès, eh bien, il s'agit d'une raie du fer qu'on appelle fer 1. Le symbole, c'est Fe1. Fer 1, ça veut dire fer neutre. Si je mets fer avec un 2 à côté, ça sera fer ionisé une fois. Si je mets fer avec un 3 à côté, ça sera fer ionisé deux fois, etc. Donc c'est du fer qui est bien neutre, effectivement. Et la raie en question, c'était une raie formée, si mes souvenirs sont bons, à 5576 angström. C'est une raie qui est très classique, qui se forme dans la photosphère du Soleil, à une température d'environ 6000 degrés Kelvin. Et c'est une raie qui a d'ailleurs une caractéristique qui est très utilisée par les astrophysiciens, c'est que en fait, son facteur de Landé est égal à zéro, donc elle est complètement insensible au champ magnétique. Donc si vous plongez si vous vous occupez de cette raie-là en présence de champ magnétique, eh bien, vous ne verrez pas d'effet Zeeman sur cette transition à 5576 angström. Bon, ça c'est une parenthèse que je referme. Pour répondre plus précisément à votre question, nous, effectivement, on a supposé que, donc la raie, c'est une raie d'absorption, puisque nous sommes sur le disque du Soleil. Donc la raie, elle a une forme comme ceci. Si vous représentez l'intensité en fonction de la longueur d'onde, notre raie, elle a une forme comme ceci, en fonction de lambda. Ici, vous avez IC, qu'on appellerait l'intensité du continu, c'est-à-dire pas autre chose que c'est le fond continu du Soleil, donc c'est sa fonction de Planck. Donc c'est la fonction en fait B de lambda, que vous voyez en tant que fond continu. Et donc nous avons une longueur d'onde centrale de résonance qui est à 5576 angström, et donc une dépression. Et nous, on a dit finalement, à mi-hauteur, cette dépression, sa largeur, elle est égale à gamma. Alors c'est vrai qu'on a fait un raccourci un petit peu rapide en disant que gamma, c'était une largeur en longueur d'onde qui était donc liée à l'effet Doppler, à savoir delta lambda sur lambda égale V sur C. Delta lambda, en fait, ça sera ce qu'on appelle gamma. J'aurais peut-être pas dû parler de gamma parce qu'on parle plutôt de gamma quand on est en pulsation ou quand on est en fréquence, et là j'ai représenté l'intensité de la raie en fonction de la longueur d'onde, donc c'est mieux de parler plutôt de delta lambda. Alors delta lambda sur lambda égale V sur C, ça c'est la relation qui va caractériser l'élargissement d'une raie spectrale à cause de ce qu'on appelle l'agitation thermique. Avec une vitesse thermique, donc c'est ici VTH, vitesse thermique qui est de l'ordre de la vitesse quadratique moyenne. La vitesse quadratique moyenne, c'est racine de 3RT sur M, M étant la masse molaire de l'hydrogène et R étant la constante des gaz parfaits. Eh bien, en réalité, si vous mesurez donc delta lambda sur le spectre qui vous est fourni, vous allez trouver une certaine valeur dont je ne me rappelle plus numériquement ce que c'est. Mais si vous faites l'égalité entre cette largeur et effectivement la largeur qui provient de l'élargissement par la vitesse thermique, vous allez trouver une température T, la température T elle est ici, qui est beaucoup trop grande, qui est de l'ordre effectivement de 30 000 degrés Kelvin. Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est que nous avons simplifié le problème à l'extrême. Il ne s'agissait pas de faire un calcul, si vous voulez, qui vous donne une image exacte du processus, mais qui vous fournisse une approximation. Et alors, ce qu'on a négligé, c'est que l'élargissement, il n'est pas dû seulement à ce qu'on appelle l'agitation thermique,
mais il est lié aussi à ce qu'on appelle localement la turbulence du plasma. De ce fait, quand on a attribué l'élargissement, ou donc la largeur de l'arrêt, à la simple vitesse thermique, eh bien on a fait une erreur. C'est-à-dire que la vitesse à considérer, c'est la racine carrée de la vitesse thermique au carré plus une seconde vitesse au carré que je vais appeler Vm et qui est une vitesse caractéristique de la turbulence locale. Et donc si vous ne tenez pas compte de cette vitesse caractéristique de la turbulence locale, vous obtenez forcément une température qui est très largement surestimée. Donc si on avait tenu compte de cette turbulence locale, on aurait trouvé une température qui aurait été voisine, effectivement, de 6000 degrés Kelvin, qui est la température de la photosphère. Nous ne l'avons pas introduite dans le cours, ni dans l'exercice, de manière à ne pas compliquer exagérément le cours. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous avez trouvé 30 000 degrés, bien, ce que vous avez trouvé, c'est le bon ordre de grandeur. Et c'est donc ça le principal. Donc, une question de Michastro sur l'utilisation d'une force de frottement. Bonjour, je comprends l'insertion d'une force de frottement dans l'oscillateur harmonique dans une onde électromagnétique. Mais pourquoi ne pas le faire aussi dans un champ magnétique simple, dans le cas de l'effet Zeeman? Merci pour tout ce cours très intéressant. Merci à vous. Oui, effectivement, nous aurions très bien pu ajouter à la force magnétique, qui est pour l'électron moins EV vectoriel B, nous aurions pu également ajouter une force du type moins E cosinus oméga T liée à la présence d'une onde électromagnétique. Mais nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas voulu compliquer inutilement les calculs. Alors, finalement, on aurait obtenu un résultat similaire. Si vous ne tenez pas compte, effectivement, de l'interaction entre l'électron et une onde électromagnétique, puisque, naturellement, c'est l'onde électromagnétique qui va véhiculer l'information vers l'observateur qui voit l'effet Zeeman. Ce n'est pas l'électron qui, lui, reste à la surface du Soleil ou à la surface de l'étoile. Eh bien, que se passerait-il? Si on néglige, effectivement, l'influence de l'onde électromagnétique, on trouve qu'il existe trois pulsations, oméga 0 moins oméga g sur 2, et oméga 0 plus oméga g sur 2, qui vont être les trois pulsations possibles de l'électron. En présence de champ magnétique, oméga 0 étant ce qu'on appelle sa pulsation de résonance, ça va en fait représenter une raie spectrale. Ça sera en fait la pulsation relative à une raie spectrale. Et nous aurons deux autres pulsations possibles qui vont être effectivement écartées d'une quantité moins oméga g sur 2 ou plus oméga g sur 2. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman. Plus exactement, l'écartement Zeeman sous forme de deux composantes, sigma plus et sigma moins, qui sont polarisées circulairement par ailleurs. Eh bien, en réalité, le fait de ne pas avoir incorporé l'onde électromagnétique fait que nous trouvons exactement trois pulsations, une à oméga 0, la seconde à oméga 0 moins oméga g sur 2, et la troisième à oméga 0 plus oméga g sur 2. Si on avait tenu compte de l'amortissement, et en particulier donc de la présence d'une onde électromagnétique, on n'aurait pas obtenu trois pulsations comme ceci, ça c'est oméga 0 moins oméga g sur 2 et oméga 0 plus oméga g sur 2, mais on aurait obtenu un étalement. C'est-à-dire qu'on aurait obtenu finalement, voilà, comme ceci, trois Lorentziennes qui auraient été centrées chacune sur ces trois pulsations. Donc on aurait décrit plus proprement l'effet en disant que, eh bien, on observe trois raies spectrales. Ces raies spectrales ne sont pas infiniment minces, mais chacune de ces raies spectrales est en fait élargie par toutes les différentes sources de frottement que l'on peut imaginer, à savoir
l'existence du fait que les niveaux d'énergie sont finis, à savoir qu'il y a des collisions, à savoir qu'il y a de la turbulence, et à savoir qu'il y a également des collisions à l'intérieur du milieu. Donc si nous ne l'avons pas fait, c'est parce qu'il était plus logique de traiter les deux problèmes indépendamment l'un de l'autre pour éviter que les deux effets ne se mélangent. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc une question de Boris Boda, et après si on n'a plus de questions, on va s'arrêter là. J'ai du mal à comprendre la relation pulsation gyromagnétique respectrale. Alors la pulsation gyromagnétique, c'est oméga G égale QB sur M. Donc c'est la pulsation qu'acquiert une particule lorsqu'elle se met en rotation en présence de champs magnétiques. Eh bien, en présence de champs magnétiques, nous l'avons vu dans le cours, lorsque vous avez une raie centrée sur la pulsation de résonance oméga 0, donc c'est imaginez par exemple un électron qui effectue un mouvement de rotation à la vitesse oméga 0 autour du noyau, eh bien cette vitesse, en mécanique classique bien sûr, en mécanique quantique, ce n'est pas du tout le même type de problème. Je reste en mécanique classique au cours de ce cours d'électromagnétisme. Ce n'est pas un cours de mécanique quantique. Donc, imaginons que l'électron effectue un mouvement de rotation circulaire, c'est ce qu'on appelle le modèle de Bohr, autour du noyau. Lorsque cet électron est plongé dans un champ magnétique, eh bien, cela va introduire une variation de cette vitesse angulaire de rotation. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner à la vitesse angulaire oméga 0 autour du noyau, eh bien, il va pouvoir tourner dans deux sens, vers la gauche ou vers la droite, bien sûr. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs les polarisations circulaires droite ou gauche, mais à des vitesses qui ne seront pas oméga 0, mais oméga 0 plus ou moins oméga g sur 2. Et ce plus ou moins oméga g sur 2 est lié à la présence du champ magnétique. Et donc c'est en observant cet effet qu'à distance, on pourra mesurer les champs magnétiques. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce premier direct. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Et je pense que nous organiserons un second direct avant les vacances de Noël. Ce second direct portera, je pense, sur les équations de Maxwell, notamment, et les ondes électromagnétiques. Donc vous verrez apparaître une proposition, notamment pour convenir d'une date entre nous, qui nous permettra d'aborder vos questions. Et donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions, notamment sur le forum, concernant les sujets que vous aimeriez que nous abordions dans une discussion. Enfin, ce n'est pas tout à fait une discussion puisque vous n'avez pas de micro, mais disons dans une session de questions-réponses comme celle-ci. Je vous souhaite une bonne fin de journée.